Messager du Seigneur, bénissez sa parole, bénissez sa parole. Ça, c'est dans le psaume 103, verset 20. Messager du Seigneur, bénissez le Seigneur, vous qui êtes dociles à sa parole. Bénissez le Seigneur, reconnaissez et dites-le à haute voix que le Seigneur est bon. Et je te le dis à toi et je te souhaite la bienvenue. Le Seigneur est bon. La vie, elle va comme ça. Il y a un proverbe bantou que j'ai appris quand j'étais à Brazzaville au Congo. J'ai fait 5 ans à Brazzaville au Congo. J'étais jeune, j'avais 21 ans, j'en ai 73. Bon, ma fête, les 3 mai s'en vient, là, dans quelques jours, là, quelques semaines. 74, bon, mais à 21, 74, ça fait longtemps, c'est en 78, 69, 70, j'étais à Brazzaville en 70, 69, ouais. Et j'ai appris des proverbes bantous. Des proverbes du coin. Et qui dit ceci, la vie est comme une rivière sinueuse, une rivière qui s'en va comme ça, mais qui va toujours de l'avant, qui va toujours de l'avant. La vie est comme une rivière sinueuse, ying, 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 mais qui va toujours de l'avant. Eh bien, quand tu es avec Jésus, quand tu bénis le Seigneur, oui, ta vie est sinueuse, bon, une journée, t'es bien, le lendemain, t'as mal aux jambes parce que c'est humide, parce que c'est le printemps. Ah! Mais après ça, t'as fait un petit champ, t'es obligé de recommencer, il a tombé des grêlons, puis je veux dire, Puis plus tu vieillis, plus tu dois prendre des pilules, puis plus, ben voilà, je veux dire, les enfants qui étaient à la maison, ben là, ils sont mariés, puis ils ont des enfants, puis ils ont des obligations, puis t'es vois pas, puis il faut qu'ils travaillent en dehors de ta vie. Il y a toutes sortes de choses. Mais quand tu restes avec le Seigneur Jésus-Christ, allô, la rivière est sinueuse, oui, ta vie est sinueuse, il y a des temps où, bon, on est tout le monde ensemble, puis après ça, ça prend des branches là, puis une branche là, puis une branche là. Puis... C'est plus dur, je le sais, j'ai 3 enfants à Québec, j'en avais 2 avant, à Montréal, 2 à Québec, là, il y en a 3 à Québec, dans ma ville, plus proche, ma fille est plus proche, elle prend soin de son vieux père. Il y a 20 ans, elle ne prenait pas soin de son vieux père. Non, c'est son vieux père qui s'occupait d'elle. Bon, ça va. Puis il y a les petits-enfants qui ont pu leur grand-mère, puis qui pleurent parce que ma grand-maman Louise n'est plus là. C'était une grand-mère extraordinaire. Ma femme était une grand-mère. Elle était une mère extraordinaire, mais une grand-mère. Pfiou. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je me souviens, elle était allée à la maternelle. C'était la journée des grands-mères. Et puis, elle est revenue à la maison, elle dit, « Il me semble que je suis objective de nature, mais... » Elle dit, « Notre petit-fils, là, c'est le plus beau des enfants de la maternelle. » Pardon. Il y en avait 100, mais pour elle, c'était le plus beau. Vraiment, elle dit, « Il n'y a rien que lui qui est beau, là. » Mais j'ai dit, « Oui. Oui, oui. On y trouve Thibault, nos petits-enfants. Thibault. On y trouve Thibault. Québécois. Thibaut. Ils sont Thibaut. C'est pas en français. Ils sont très beaux. Mais ici, on dit ça. Thibaut. Bon, voilà. Bénissez le Seigneur dans cette vie. Il faut accepter que notre vie... C'est pour ça que Saint Paul va dire, en tout temps, en toutes circonstances, dites merci à Dieu. Puis il va garder votre intelligence, puis vos pensées en Jésus-Christ, c'est-à-dire positif. Tu vas là, le Seigneur, il sait par où tu passes. Si tu te plains, tu tombes dans la plainte, le négatif, alors là, tout s'enclenche, l'inquiétude, l'insomnie, et tu te rends malade. Accepte la rivière, elle va comme ça, mais reste. Bénis le Seigneur, c'est-à-dire reconnais le bien avec un grand B, le bonheur du Seigneur, l'amour du Seigneur. Seigneur, ça va mal, mais je te dis merci, tu as un plan parfait en quelque part là-dedans. C'est une vie de couple, ça ne va pas toujours drette comme ça. Encore une expression québécoise, drette, droit. Hé, qu'on parle québécois, ça n'a aucun bon sens. Drette. Allez drette devant. Drette.
Ça vient d'où? Quel mot? C'est quoi ce mot drette? Trois devant. Ouais. Le couple, il fait ça. Il fait ça parce qu'on change. À 20 ans, on n'a pas 30 ans. Puis à 30 ans, on n'a pas 40 ans. Puis à 60 ans, on n'a plus 40 ans. Puis il y a des choses qui nous arrivent. Il y a des peurs. À un moment donné, une femme me disait, « Mon mari, il est devenu bizarre. » Oups, c'est revenu. Ben oui, mais parce qu'il vieillit. Puis parce qu'il a peur. Puis qu'une femme, ben, ça ne réagit pas comme un homme. C'est tout. Moi, la seule réponse que j'ai eue, j'ai dit merci au Seigneur parce que voilà, c'est tout. La rivière est sinueuse, mais elle va toujours de l'avant. Mais elle va, tu vas la voir, tu sais, aller de l'avant si tu gardes ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ par la louange. Dites merci en tout temps et en toutes circonstances. Dieu, le psaume le dit, Dieu siège, s'assoit, vit. Éclate de blancheur, de beauté dans la louange. C'est-à-dire, dites merci. Ça va mal? Merci. Mon mari a développé tel défaut? Merci. Oui, oui. Je trouve qu'il se parfume, puis il ne se parfumait pas, puis il s'achète des petites chemises à fleurs, puis il a de l'air jeune, puis il se laisse pousser les cheveux. Là, tu soupçonnes qu'au travail, il y a peut-être une petite gonzesse. C'est peut-être québécois. Je ne sais pas si ça existe chez vous, une petite jeune secrétaire qui est arrivée et qui trouve que le monsieur, il est pas laid, votre mari, mais là, tu trouves qu'il en met beaucoup, puis pas chez vous, ailleurs. Bon, la rivière, le couple, c'est comme ça. Il peut avoir, selon les âges, selon les crises du 30 ans, ou du, comme on appelle la crise du 7 ans de mariage, ou 30 ans de mariage. Ah, la crise du 60 ans. Pas de mariage, mais d'âge. Quand on voit arriver la fin de notre vie, on réagit d'une autre façon. Si tu ne veux pas tomber dans la maladie de l'inquiétude, OK? OK? Il y a des choses qui vont prendre du temps à changer. C'est pour ça que Saint Paul va dire dans 2 Corinthiens 12, 9, il dit, j'ai une épine dans la chair. Ça peut être bien des choses, l'épine dans la chair. Toi aussi, tu as des épines dans la chair et dans le cœur à cause d'un enfant, d'un conjoint, d'une conjointe, du travail, du patron. Mais Dieu lui répond, ma grâce te suffit, ma grâce te suffit. Tu t'arrêtes, tu pries. Bon, tu connais une prière, tu commences, mais il faut que tu arrêtes. Il faut. J'ai rien contre la prière, je vous le disais dimanche, j'ai rien contre la prière. Avec des mots récités, mais arrêtez. J'ai mis la main ici sur une prière de protection et de délivrance. Ça, c'est quelqu'un qui avait une maison hantée, mais vraiment hantée. Puis je l'avais écouté longtemps, puis les gens autour, puis j'avais composé cette prière-là. C'est, je te donne le contrat sur ma vie entière. Je veux dire, c'est comme si on passait un contrat, là, un contrat d'affaires, là. Avec garantie et tout, là. Seigneur Dieu. Et c'est sur une page, là, tu sais, c'est imprimé. C'est une prière à réciter. Wow. Non, faut que ça dépasse les mots. Ça commence, Seigneur Dieu, Père tout amour. Est-ce que tu peux passer là, vite là-dessus? Jésus, mon berger, Esprit Saint, lumière, Père tout amour. Cette prière-là va devenir puissante si tu t'arrêtes. Père tout amour, Seigneur Dieu, Père tout amour. Ah là, il prend un visage. Père tout amour, Père tout amour. Juste amour, juste amour, juste amour, juste amour. Tu vas mourir, il va courir vers toi. Jésus, mon berger. Je peux être la centième brebis, la stupide, l'innocente, la sans génie qui est partie loin des 99 autres. Mon berger, il va la chercher, il la ramène, il ne pose pas la question. Il la ramène. Jésus, mon berger, mon créateur, mon sauveur, mon berger, le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Cette prière-là, c'est ouf. La maison, les autres, ils récitaient cette prière-là, je peux te dire, mais je leur ai dit, récitez pas. Vivez la prière, vivez.
Vivez la prière. À un moment donné, ils m'ont dit, ça a duré la soirée, les mots que tu as là. Bien sûr que ça a duré la soirée. Ouf! Mon berger, mon berger, mon berger. Puis là, il invitait les gens qui venaient prier dans ces réunions de prière pour délivrer la place. Et il y avait des esprits mauvais. Je suis allé, ah oh, oui, il y avait des démons là-dedans. C'est une maison bizarre. Ça existe. Bon. Père tout amour, là, les gens priaient, tout amour. Puis là, un qui improvisait une prière sur Père tout amour, je sais que tu étais tout amour, je sais que tu nous aimes. Puis un autre ajoutait ça. Jésus, mon berger. Puis il y a des fois, le monsieur ou la madame en question qui était propriétaire de la maison, qui l'avait acheté à rabais. Ouais. C'est devenu, c'est pas devenu une maison hantée, c'est devenu une maison de prière. C'est devenu de prière. Les démons sont partis, hein. Les démons, on sait quelqu'un, ils ont dégagé. Allez, scram, expression québécoise. Scram, dégage. Il prenait juste... Si vous allez sur le blog, je vais la mettre sur le blog. PierreLacroix.com www.pierrelacroixminusculecollé.com. Devenez membre du blog. Il y a l'article sur l'évangile du jour de Bernard qui est d'accord. Mon collègue de travail, mon partenaire, mon ami, qui commente l'évangile du jour. OK? Donc, vous avez la vidéo sur YouTube et vous avez aussi un commentaire sur l'évangile du jour. Voilà. Et vous allez trouver, je vous la mets. Je vous la mets, la prière, et je vous le dis, c'est une prière que j'ai composée pour un lieu où il y avait des démons. Mais ça peut être ta vie où il y a des démons. Bon, ça peut être ton appartement, ça peut être au travail. Bon. Ça s'appelle prière de protection et de délivrance. La deuxième paragraphe, je prends maintenant la décision en mon âme et conscience de t'autoriser, Seigneur Jésus-Christ, à manifester ta bonté et ton amour dans toute ma vie et dans tout ce qui m'entoure et m'arrive. Mais là, il faut arrêter. Qu'est-ce qui t'entoure? Qu'est-ce qui t'arrive? Seigneur, voici, tu le sais, mais tu le présentes, tu vois? Je te donne le contrat sur ma vie. Je te donne le contrat sur ma vie entière. Waouh! Et tu lui donnes le paquet. Le paquet. Je refuse. Je refuse. Cette autorité sur ma vie, à tout autre pouvoir ou entité, ce qui m'inclut. Ça veut dire que qui a autorité, c'est Dieu. C'est pas l'ennemi, c'est pas le diable, c'est pas les démons. C'est pas telle ou telle sorcellerie. C'est même pas toi-même. Parce que nous, diriger notre vie, c'est pas vrai. On n'est pas vrai. Non, tu es, Seigneur Dieu, le seul autorisé à manifester ta volonté dans ma vie. Mais ça, faut. C'est pas une question de lire sans foi. C'est une question de vivre. De vivre en présence. Puis si tu te sens gêné de parler au Père, au Fils et au Saint-Esprit, demande à la Vierge. Elle va venir prier avec toi. Puis elle va prier sur toi en même temps. Je ne sais pas ce qu'elle va faire. Il y a des saints. On ne prie pas les saints. Ils nous accompagnent dans la prière. On a un contact plus fort, plus intime, comme deux gouttes d'eau en font une, tu sais, je veux dire. Plusieurs gouttes d'eau font un verre d'eau, tu sais, tu peux pas séparer ça, ça devient une osmose. Tout ça, c'est ça la prière. Toi et Dieu, un seul cœur. De l'amour. Donc, sur www.pierrelacroix.com, il y aura cette prière de protection de délivrance. Si tu penses que c'est la dire 100 fois qui va te rendre, qui va délivrer ta vie de toutes les infestations de cochonneries, puis du diable, et puis de ces puanteurs, c'est pas ça. C'est la prière, l'intimité. Donc tu dis ça, puis t'arrêtes. Puis peut-être que ça va te prendre un mois à faire cette prière-là. Parce que tu vas t'arrêter, parce que tout de suite tu rentres dans une... Tu fermes la porte, tu baisses les rideaux, puis on est ensemble, c'est la chambre nuptiale, s'il faut que je te dise. Les enfants n'ont pas d'affaires dans la chambre. Non. Les autres non plus. C'est bien dit dans les épîtres. L'ami, voilà. Pas d'affaires là. C'est toi, puis le papa bon Dieu.
Ton Père t'attend dans ta chambre secrète, dans l'intimité. Oh, prions, prions, prions. Et peut-être il y a chez toi, dans ta vie, là, dans ton lieu, chez le voisin, ou je ne sais pas quoi, des êtres ou des entités spirituelles qui ne sont pas du ciel, mais vraiment pas. Ils se sont révoltés. Ben aujourd'hui, je prends autorité. Oh, Père éternel, à la caméra, je monte cette croix qui est le symbole de ton « Je t'aime » en Jésus-Christ, puis ta victoire, parce que tu vas ressusciter, mais tu as tout donné pour notre délivrance. Oh, Père d'amour, Père, Papa, Papa, par Jésus, 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 que la puissance de ton esprit, que la puissance du sang de l'agneau qui enlève le péché du monde. Oh, Père, ptaf, allez, tout, je parle à ces esprits négatifs, diaboliques, de l'enfer. Allez, dégagez de la vie de mon ami qui écoute cette vidéo. Dégagez, dégagez, dégagez. Mal, maladie, malédiction. Mal, maladie, malédiction, malheur. Malhonnêteté. Malversation, mal. Dégage, dégage. Toi, le père du mensonge. Dégage, dégage. Tu es battu. Oh mort, où est donc ta victoire? Tu es battu, battu, battu. Dégage, dégage. Sois écrasé, pulvérisé, brûlé au feu de Dieu. Au feu de Dieu. Il y a un incinérateur. Allez, flotte, allez, rentre, rentre. Brûle, 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 brûle. Fini. Tu n'as plus aucun pouvoir. Aucun pouvoir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. De la puissance, de la puissance, de la puissance, de la toute-puissance du Dieu très haut. La toute-puissance. La toute-puissance, la toute-puissance. Quand tu sors, il y a des choses qui sont mal, maladie, malédiction, malversation, malhonnêteté. Alléluia, tout ce qui est mal. Chien, allez, tu n'existes plus dans la vie de mon frère, de ma soeur. La victoire, je confesse la victoire, je confesse la victoire, je confesse la victoire. Totale, totale. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Ouh, la rivière va toujours de l'avant. Tu reviens jeudi, ben je serai là. Enfin, si Dieu me donne vie, je serai là. Bon, on va rentrer dans le mois de mars. Merci de ton soutien de prière, prière intimité, et puis financier aussi. On va essayer de passer au travail. On s'en va vers Pâques. Alléluia.